profiter. À l'intérieur, dans ce qui est plein, se trouve 140 kg de verre à l'état pâteux. Le verre que l'on fusionne dans ce four, on l'achète. C'est un verre qui a été conçu spécialement pour nous, les souffleurs de verre. Ça vient d'Allemagne et c'est on achète toute cette forme-là. On le refond et on obtient donc la matière première. Ensuite, il y a le four de réchauffe qui est allumé, il marche au gaz et lui, on l'allume tout de suite lorsqu'on travaille. Voilà, on va réaliser la passe pour souffler cette fois-ci. Voilà, Guillaume là, a débouché à cueillir du verre. Ça. Donc avec cet outil, la maillotche, il égalise la matière bien régulièrement autour de la canne. Vous voyez le verre, la teinte du verre, là, elle est jaune parce que c'est la chaleur. Autrement, il est parfaitement transparent en refroidissant.
Cette marque va me permettre de pouvoir détacher la pièce de la canne par la suite. Donc le fond de la pièce va être à ce niveau-là où je mets la palette. Là, je suis en train de faire le plat là. Et c'est pas vulgaire, on dit le cul de la pièce. Alors j'en profite parce que moi je peux jamais dire ça. C'est le cul de la pièce. Toute sa coquille. Hein. C'est vrai, on dirait. Ouais,
Alors, je place celui qui doit aller nettoyer l'intérieur.